Salut, c'est Cascole et on se retrouve une nouvelle fois pour parler de la Recallbox. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un thème, le thème Next Level version 2.2, accompagné de son splash screen. Mais avant toute chose, je tenais à remercier Code Production qui a fait vraiment du super boulot sur ce thème et cette vidéo, enfin le splash screen du coup. Et je vous mets évidemment un lien en description vers sa chaîne. De toute façon, on en aura besoin pour aller le chercher. Donc maintenant, je vais vous expliquer où télécharger le thème, même si c'est un petit peu déjà fait, comment l'installer et surtout comment installer le splash screen. Et ensuite, on va évidemment, on va l'essayer, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, alors pour le thème, c'est pas compliqué. On va sur Code Production, comme je l'ai dit, il y a un lien en description. On va sur sa vidéo qui s'appelle Recallbox Theme Next Level. Et on regarde en description et on voit qu'il y a donc un lien pour le télécharger. Je vous invite à le faire. Après, je vous invite aussi à regarder la vidéo jusqu'au bout pour voir si le thème vous plaît, parce que s'il ne vous plaît pas, c'est un peu con de le télécharger. Hein? On est d'accord. Ensuite, pour la vidéo splash screen, bah, vous revenez juste avant, hein, vous revenez en arrière. Il y a une vidéo qui s'appelle Recallbox Splash Screen Next Level. Vous cliquez dessus, c'est la même chose. Il y a un lien en description pour la télécharger. C'est un fichier MP4. Si je me souviens bien, enfin normalement, si pas, c'est que c'est une archive qu'il va falloir dézipper, mais au final, on aura quand même un fichier MP4. Voilà. Alors pour installer le thème en lui-même, le thème, c'est pas compliqué. On va dans le réseau, on va dans Recallbox, on va dans Share, on va dans Système, on va dans Émulation Station, mais attention que Émulation Station est un fichier caché. Si jamais vous ne le voyez pas, il faut aller donc dans Affichage et venir cocher ici éléments masqués. Sinon, vous ne le voyez pas. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va donc dans Émulation Station et dans Thème. Voilà, c'est ici. Donc, vous prenez votre archive et vous la décompressez ici et vous allez donc vous retrouver avec le dossier Next Level version 2.2. C'est tout. Il vous reste plus qu'à aller sur la Recallbox, aller dans vos options d'affichage, sélectionner votre thème et voilà. Alors, il se pourrait qu'à ce moment-là, vous n'ayez plus de thème du tout, hein, vous ayez un écran blanc, il suffit juste de redémarrer. Mais c'est peut-être pas la peine de redémarrer tout de suite parce qu'on n'a pas fini. Alors, pour le splash screen, ça va être un petit peu plus compliqué, il va vous falloir un logiciel du type WinSCP. Enfin, moi j'utilise WinSCP. Je vous invite toujours à aller voir sur Google après WinSCP ou un équivalent, ou alors vous regardez en description, je vous mettrai un lien vers WinSCP. Par contre, il faut prendre celui qui correspond à votre OS. Là, je ne peux pas vous aider. Donc, on lance WinSCP et on arrive donc sur cette interface. Nom de l'hôte, en réalité, c'est l'adresse IP de votre Recallbox ou son nom sur le réseau. Moi, j'ai plutôt tendance à taper l'adresse IP. Donc, pour trouver l'adresse IP de votre Recallbox, vous allez voir dans les options de réseau de votre Recallbox. Dans mon cas, c'est 192.168.0.6. Chez vous aussi, ce sera sûrement 192.168. Après le reste, je ne sais pas. Pour ce qui est du nom d'utilisateur, si vous n'avez rien changé, c'est root. Comme ça, en minuscule. Et pour ce qui est du mot de passe, c'est Recallbox root. En un mot et en minuscule. Il n'y a plus qu'à se connecter. Voilà, on est connecté, ça va assez vite. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver le dossier où se trouve cette vidéo, ce splash screen. Donc là, on voit qu'on est dans Système. C'est pas là. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer dessus pour remonter jusqu'à la racine. Ensuite, on va dans Recallbox, on va dans Système, on va dans Ressources et on va dans Splash. Alors, pour copier la vidéo, il vous suffit normalement soit de la prendre de la fenêtre de gauche et de la glisser vers la fenêtre de droite, ou de la prendre d'un autre endroit et de la glisser. Ça revient au même. Par contre, là, vous ne pourrez pas encore le faire parce que cette partition est protégée en écriture. Donc vous ne pouvez pas effacer la vidéo qui est là. Donc il va falloir taper une commande. Donc soit vous faites CTRL T pour ouvrir la console, ou soit vous cliquez sur ouvrir la console. Voilà, vous faites OK et vous tapez cette commande. Vous inquiétez pas, je vous la mettrai en description. Ensuite vous faites exécuter et fermer. Voilà, c'est tout. Il vous reste plus qu'à trouver votre vidéo. Donc moi je l'ai mise ici. Après, comme je vous dis, vous faites comme vous voulez. Alors, il se pourrait que j'ai un plantage étant donné que ma Recallbox elle est raccordée au PC via un réseau CPL. Enfin bon. Il se pourrait que ça ne fonctionne pas du premier coup, mais c'est pas plus mal parce que ça permettrait de voir ce qui se passe si jamais ça ne fonctionne pas du premier coup. Donc, on prend la vidéo, on la glisse. Il nous demande si on veut écraser, on met OK. Et on attend. Bon, là, ça dépend de l'efficacité de votre réseau. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais ça va relativement vite apparemment. Ah, ah, je sens
Je savais qu'il y aurait un petit plantage. Bon, il a planté, c'est pas grave. On voit qu'il nous a fait déjà un petit fichier. En réalité, ce qu'il a déjà envoyé est resté. Il faut juste compléter, donc on va juste réessayer. Ok. Et voilà. Ben c'est tout, c'est terminé. On n'a plus qu'à redémarrer la Recallbox et voir à quoi ça ressemble. Alors voilà, on est dans ce fameux thème en question, le thème Next Level. Donc on a une musique pour chaque console, hein, chaque machine, sauf que moi j'ai pas mis toutes les machines, hein, c'est ma Recallbox habituelle, donc comme j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, il n'y a pas de console portable, il n'y a pas de console pré-NES, mais il y a des musiques et des images pour chacune de ces machines. Voilà. Alors on a le menu qui est fait plutôt à base de grandes images et un petit bruit quand on défile dans les menus, voilà. Bon, maintenant je vais arrêter de parler, je vais vous laisser regarder le thème, hein.
Bon, bah maintenant on va faire un petit test de fluidité. Et ça me paraît vraiment correct. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Je vous invite évidemment à aller chez Côte Production. Salut!